En ma qualité de présidente de l'Association pour le développement de Saldé, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à Saldé ce 31 mars 2018. Une date inoubliable et dans un lieu symbolique. En effet, mars est le mois de la femme dans le monde. Mars est le mois de la femme au Sénégal. Mars est donc le mois de la femme dans l'arrondissement de Saldé. C'est bien connu. Le 8 mars est la journée internationale de la femme. Mais en vérité, chères sœurs, toutes les journées nous appartiennent. Toutes les journées nous appartiennent. Oui, toutes les journées nous appartiennent. C'est pourquoi nous devons être des millions de personnes à nous mobiliser davantage pour un avenir meilleur. Cette mobilisation devrait prendre plusieurs formes. Organisation des marches, tenue des conférences publiques, campagne de sensibilisation, plan d'action portant sur l'égalité des salaires, représentativité politique des femmes dans les cercles de décision, effectivité de l'autorité parentale en lieu et place de la puissance paternelle, gratuité de la reconnaissance juridique des groupements de promotion féminin, et j'en passe. C'est le moment. Le moment est venu de revendiquer la plénitude de nos droits, mais également de remplir nos devoirs. Le moment est venu de transformer notre dynamisme, notre force et notre présence en actions concrètes. Mais le moment est venu de favoriser l'autonomisation des femmes dans notre contrée. Le moment est venu de saluer le mérite des militantes et militants de la cause féminine. Parce que tout simplement, partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même. Partout où l'homme a oublié la femme, il s'est oublié lui-même. Et partout où l'homme a honoré la femme, il s'est honoré lui-même. Vous, braves femmes de l'arrondissement de Saldé, vous, nos mères, nos tantes, nos nièces, nos cousines, nos sœurs, chaque matin, vous partez au champ. Chaque matin, vous plantez les semences pour nourrir les familles. Chaque matin, vous partez faire le linge au bord du fleuve. Et chaque jour, vous assurez la garde des enfants, l'éducation des enfants, la santé des enfants. Sans oublier de veiller sur les nuits d'autres enfants qui ont grandi, je veux parler des hommes. Vous êtes donc braves, vous êtes formidables, vous êtes honorables. C'est pourquoi il était temps de vous célébrer, femmes de l'arrondissement de Saldé. Mais au-delà de cette célébration, l'heure est venue de poser des actions concrètes en faveur des femmes de l'arrondissement de Saldé. L'heure est venue d'entamer des actions urgentes pour assurer un mieux-être de toutes les femmes du Sénégal, un accès à la terre et aux actifs productifs, à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à un travail décent, à l'éducation, à la santé, et même plus. Chers invités, chères sœurs, chers parents et amis, l'État du Sénégal a posé des actes forts. Le gouvernement du Sénégal a fait des réalisations remarquables et visibles. Le président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall, a à son actif le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMA. Le programme d'urgence de développement communautaire. La construction de la dorsale de l'île Amorphine. La réhabilitation des périmètres irrigués villageois, notamment les jardins maraîchers. Les bourses de sécurité familiale. Il faut le souligner et le saluer.
tous ces projets et programmes participent directement à l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi, chères sœurs, je vous invite à sortir de votre zone de confort, de la zone de fatalité. Ne soyez plus spectatrices de votre vie, mais devenez des actrices de votre vie. Chères femmes de l'arrondissement de Saldé, chères femmes du département de Podor, chères femmes du Sénégal, nous n'avons pas le pouvoir de prédire l'avenir. Mais le futur ne se fera plus jamais sans nous. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers parents et amis, rassurez-vous. Rassurez-vous, je ne peux pas oublier ceux sans qui nous ne sommes rien. Je veux parler de nos hommes, de nos maris, de nos époux, de nos oncles, de nos neveux, de nos cousins et de nos frères. C'est pourquoi nous avons également choisi de célébrer les hommes de valeur, les hommes qui croient aux femmes, les hommes qui ont décidé de s'engager auprès des femmes, en s'engageant auprès d'ONU Femmes pour la campagne de He for She. En ce mois de la femme, célébrons les femmes vaillantes, les femmes de valeur, et également célébrons les hommes vaillants au cœur vaillant. Vive les femmes de l'arrondissement de Saldé. Vive les femmes du département de Podor. Et vive les femmes du Sénégal. Je vous remercie. La ville au village, du bureau au champ, de la maison à l'usine, tu es la terre, tu es la mer. Je suis Mariam. Je suis Mariam. Je ni odo gondo sababu hande grangal amen do yenne ko adi ko amen nato non galle Ablaye Daoud min tawma ton ada wadane min teddugal emin gandi korsama e heptinde ma dande liñol hettade dandam hettade ko dandam halato ko dum non fof emin tawi dum e maada taw non kadi a fitaki becc la première fois ne danmi grand théâtre njimi ni ñañuda seta gonda yi dilude ñane hen mi hawana tawno so tawi neddo yettama yettode ma innirama inde ne jogi dande mawni e galle do garnomi do ene jaarangel kala nami hono leñol ma mbeda andi gignabe ma mbeda andi seynabe ma mbeda andi kadi so tawi yimbe ene jeewa ene biye pullo susani gacce pullo nyamata gacce awlube mbi so nene moji babu moji bingel bonata dum fof nane galle modon onon dum don ber bi ma bismillah halan hore ma no tawno do ad fodi do hal ad wayu do hal na tawno ko rewbe fasbe ma yidbe ma yitotobe e darnde ma e ngurnda ma kambe ngoni do bismillah halan hore ma do en sen der saldi tebugul Allah jaram et madame la coordinatrice nationale d'ONU Femmes départemental de Podor. Président conseil départemental de Podor, Mamoudou Dia. Tonton Mamoudou Dia. Dom galle mako hore mako kaw mako. Dom galle mako tonton Mamoudou Dia. Mamoudou Dia, bismillah. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saldé. Oui, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saldé. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kaskas. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kaskas. Monsieur le maire de la commune de Boké, son représentant, le représentant du maire de la commune de Boké Diallo. Oui, jodi hande tukko maire Boké Diallo. Monsieur le maire des communes du département de Podor. Oui, dendangal maire du département de Podor. Et kala tonton Lamine Sow gonno do oui ini ne ba an Lamine Sow tonton kala na ko hore mako tonton Lamine Ba en oui Lamine Ba la CNPCR mo fete tonton Djibim Baye Al Hadji Djibim Baye honorable député Aramli oui honorable député Aramli de tous les invités et kala invité di gardo mo djidjir mi inde mo yettode fof yo yo ya ko on fof bandiraabe notaabe ngari tawdire ko do ñoom e yeesu kettu ngal amu suba de sal mo de salmina kono madame Findou Diallo so o wi o ma su salina ko heeri ko e madame
Je suis Baba Mal. Je suis un homme qui a été nommé Baba Mal. Je suis un homme qui a été nommé Baba Mal. Je suis un homme qui a été nommé Baba Mal. Je suis un homme qui a été nommé Baba Mal. Je suis un homme qui a été nommé mi welto to baami tan ko weltaade hen o wi alay sabo weltono dum o joga hen sorteli o ara kawdo o wonday mon o yaade mon ay ko dum don ay o holli kadi cakkal alay lan no rewo sandinaade sino de yimite on de rewo sandinaade sino de golonide son jabi haajibi on jabi golonide on jabi yonide ko heema tawdo arani thème journée de la femme, quoi autonomisation des femmes et des filles en milieu rural. Journée non Eden Gandhi, Réobemba wa Bamtade, Tawa ala Suka Réobenjangane, Numtahi non. Numtahi. Nyalama, Olo nyalama mongani. Rocka ko depo e Bamtari. No depo velu turi e Bamtari. Je ne sais pas si vous avez un problème. 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 Sukaare do jangude hen e der arrondissement kadde wona ko galle gor wona ko wuro wono classe terminal kala tinno debbo jangude ha yetti terminal goto e classe goto e classe o don terminal he gardido rokkidum ordinateur ordinateur digo sappo e didi ordinateur waji nando wona sami nomi addu nando portable ko ordinateur portable kala debbo fonni do e der centre didi Je suis un peu plus de temps. Je suis venu à l'arrondissement de Salde sans kit d'accouchement pour nous voir l'état de la ville. Je suis venu à l'arrondissement de Salde. 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 Oui, Allah, yetti Allah.
La marraine de la journée, épouse de mon frère et ami, le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daoud Diallo. Madame l'invitée d'honneur, épouse de mon cousin Lamine Sow. Monsieur Elhadj Babamal. Madame Salamat Ali, présidente de l'ADS. Honorable responsable de Saldé. Et à travers eux, et notamment mon cousin Lamine Sow, et mon cousin Maïli Bajon Farnade, Miadani Nyebbe, transmet à Saldé, ville historique du Fouta de tonton Abou Bakri Kane, à qui je rends un hommage déférent, que Dieu ait son âme au paradis. De la grande royale de l'aventure Ambevi de tonton Cheikh Hamidou Kane, pour abriter la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme initiée par les femmes de l'arrondissement de Saldé. En tant que président d'une institution chargée du développement économique, social, culturel, sportif du département, je ne pouvais manquer de répondre à l'invitation qui nous a été adressée par Madame la Présidente de l'Association pour le développement de Saldé, Salamat Ali, et cérémonie dont la marraine est Madame Mariamba Diallo. Cela ne nous surprend de ces deux grandes dont les actions en faveur de l'émancipation de la femme sont connues de tout le département de Podor. Le thème de cette journée, on l'a vécu le 8 mars, mais ce thème est plus que d'actualité dans la zone du Fouta, où les survivances culturelles et les coutumes constituent des facteurs ralentissant l'émancipation des femmes et des filles. Le problème de l'autonomisation des femmes se pose tout d'abord dans leur autonomisation économique, parce que la femme rurale ou les femmes rurales constituent une force démographique, sociale et économique. Incontournable pour l'émergence du Sénégal, elles constituent plus de 60% de la force productive agricole et produisent 80% des denrées alimentaires. Elles jouent un rôle majeur dans le développement économique et social, mais aussi dans le maintien de la paix et de la stabilité dans les zones rurales. C'est d'ailleurs à ce titre que le président Macky Sall, dans sa grande vision, a donné dans ses orientations du PSQ
du PS des axes stratégiques allant dans le sens parmi eux de la restructuration des activités primaires de modernisation de la vie en milieu rural à travers la mise en place de pôles agro-géographiques. Je dois dire que le département de Podor a un atout important. Cet atout, c'est l'eau et la terre. Et cela doit être l'épine dorsale du développement économique et social. Et à ce titre, les femmes ont un rôle excessivement important à jouer. Notre département, avec ses faveurs de la nature, est à même de pouvoir devenir la Californie du Sénégal avec l'autosuffisance alimentaire en riz. Les différents segments de l'agriculture qui, grâce au PSE, notre pays permet de réunir les conditions optimales pour faire face au changement climatique sur l'économie et les espaces de vie pour lutter contre la faim et l'insécurité et booster l'économie du pays. Le président Macky Sall a intensifié les interventions du gouvernement dans l'amélioration des compétences techniques, l'accès aux moyens de production, y compris le crédit et l'acquisition de pouvoirs de contrôle et de gestion des revenus permettant aux femmes rurales de jouer pleinement leur rôle primordial dans la dynamique d'émergence de notre pays. D'ailleurs, c'est à ce titre que je dois rappeler que le conseil départemental de Podor a mis à la disposition des femmes conseillères départementales 2 millions pour qu'au-delà de venir aux réunions, qu'elles puissent créer d'autres revenus afin de pouvoir aider et donner l'exemple chacune là où elle est. Je dis que l'autonomisation des femmes constitue un défi permanent et des technologies de pointe pour une agriculture moderne et valorisante qui sont les piliers essentiels qui permettront de parvenir à l'autonomisation de la femme et de vaincre la pauvreté et les inégalités des jeunes dans les zones rurales et de donner aux hommes et aux femmes du monde rural les mêmes chances de contribuer à l'émergence et au développement durable de notre pays. D'ailleurs, je dois vous dire que dans le cadre de la construction de la route nationale numéro 2 et du désenclavement de l'île Amorphile, il est prévu 10 plateformes multifonctionnelles. Ces plateformes filmotaires auront même des garderies d'enfants pour permettre aux femmes de pouvoir vaquer à leurs occupations et de voir leur progéniture gardée soigneusement. Et il y aura des endroits où on peut recharger les portables et autres parce que tout simplement ce sera éclairé au solaire. Il est de même dans la vision du chef de l'État, la mise en place du PUDC, avec la réalisation de plusieurs forages et surtout la dotation aux femmes d'un important lot de matériel d'allègement de leurs travaux quotidiens. Il faut que je vous dise, le fait d'avoir fait des forages, d'avoir fait des châteaux d'eau, d'avoir fait des réseaux, a permis de libérer les filles de la corvée d'eau et ceci a augmenté le taux de scolarisation au niveau de l'ensemble des zones, ce qui est excessivement important. Mais on ne s'en arrête pas là avec le président Macky Sall. C'est le Puma, c'est Promoville, c'est l'ensemble de ces projets qui feront du Sénégal un pays émergent. C'est l'ensemble de ces projets qui permettront aux femmes de s'autonomiser, mais permettront aux femmes d'être des femmes d'affaires, d'être des femmes intellectuelles,
d'être des femmes qui seront dans des projets porteurs, des projets dont la rentabilité interne est importante. Je crois que c'est ça la vision du chef de l'État. Et pour cela, il faut qu'on l'y aide. Il faut que l'ensemble des acteurs de notre pays travaillent ensemble, la main dans la main, pour arriver à ces objectifs. Et pour cela, celui qui fait un tel nombre de projets qui vont directement dans le sens de l'amélioration du bien-être, du quotidien des populations, puisse encore disposer de suffisamment de moyens pour continuer à le faire. Ménage réparti dans les 22 communes, ce qui est excessivement important. Et pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, tous ces programmes du président Macky Sall vont dans le sens de l'amélioration de l'autonomisation des femmes et de faire rétablir l'équilibre pour mieux être et le mieux-être des familles, avec une augmentation des revenus du foyer, gage de durabilité. De se rapprocher de la structure de santé de Pété. Nous vous en remercions vivement. Je salue aussi M. Elhadj Babamal, ambassadeur de la musique africaine, Madame la présidente de l'ADS, motion spéciale par les actes toujours qu'elle pose, jour et nuit. Nous la félicitons, de même que son association aussi. Messieurs les chefs de village de l'arrondissement de Saldé, du département, chères femmes de l'arrondissement de Saldé en particulier et du département de Podor en général, notabilité religieuse et coutumière, chers invités, auguste population de l'arrondissement de Saldé, nous voilà aujourd'hui réunis à Saldé, chef-lieu de l'ancien canton des Irlabé, des Ebiabé, des Djaloubé, qui nous fait penser au célèbre auteur de l'aventure ambiguë, Cheikh Amidou Kane, à la grande royale qui a pu poser des actes pour honorer les femmes. C'est un village historique. Nous saluons ça au passage pour avoir fait le choix de ce village. Mawmi on wiide tan ko gedel un seul conseil hoto jaben hay goto tongaen comment on dit tongaen bala tongaen yen ndaro enen rewbe mbawonen koy amen ndanyen ngalu koy amen be njangina en non worbe be ndusa en men ndaro ne den koy amen ndanyen koy amen eden mbawi dum goddum ko mbawmi hen beydude aussi woni gouvernement du Sénégal nana walla en gouvernement du Sénégal fewneni rewbe be jardin maraîcherji mumen gouvernement du Sénégal wadi bourse de sécurité familiale yimbe fone ngendi worbe be hayso dépense mabbe ni be tottira dépense timmani men beydude bourse de sécurité familiale so wadama ko rewbe be mballa gouvernement du Sénégal wadi projet biété do Puma wadi projet biété do PIDC diron projet ji fof wallata ko rewbe donc mballen gouvernement du Sénégal ndousen gouvernement du Sénégal ndaroden ndousen président Macky Sall parce que won ko wadani enen rewbe be so dum benni en bawa yadete en yadani e bandirabe amen worbe en bawa yadete en yadani jom galleji amen en bawa yade en yadani babirabe amen kawirabe amen ko gonga o do ko nyalawma rewbe kono hande ne en kollabe enen ne sen bedu nyalawma en pecchate mabbe sen weltini rewbe aussi en beltinat worbe amen bandirabe amen worbe kawirabe amen babirabe amen donc bandirabe enen rewbe Sénégal odo halano on gedel so tawi golle ne wadete no te rewbe Sénégal mbaddake hen a partir d'aujourd'hui nyalawma hande o haydara wadetake te rewbe rendinaka hen wa wa wa
Donc, je salue non fof. Vive les femmes de l'arrondissement de Saldé. Vive les femmes du département de Kofra. Maumi on wiide tan ko gedel un seul conseil hoto jaben hay goto tongaen comment on dit tongaen bala tongaen yen ndaro enen rewbe mbaawanen koye amen ndanyen ngalu koye amen be njangina en non worbe be ndusa en men ndaro ne den koye men ndanyenen koye amen eden baawi dum goddum ko baawmi hen beydude aussi woni gouvernement du Sénégal nana walla en gouvernement du Sénégal fewneni rewbe be jardin maraîcher ji mumen gouvernement du Sénégal wadi bourse de sécurité familiale yimbe fo ne ngandi worbe be hayso dépense mabbe ni be tottina dépense timmani men beydude bourse de sécurité familiale so wadama ko rewbe be balla gouvernement du Sénégal wadi projet biété do Puma wadi projet biété do PUDC diron projet ji fof wallata ko rewbe donc mballen gouvernement du Sénégal ndousen gouvernement du Sénégal ndaro den ndousen président Macky Sall parce que won ko wadani enen rewbe be so dum benni en bawa yadete en yadani e bandirabe amen worbe en bawa yadete en yadani e jom galleji amen en bawa yade en yadani e babirabe amen kawirabe amen ko gonga odo ko nyalawma rewbe kono hande ne en kollabe enen ne sen bari nyalawma en pecchate mabbe sen weltini rewbe aussi en beltinat worbe amen bandirabe amen worbe kawirabe amen babirabe amen donc bandirabe enen rewbe Senegal wodo halano on gedel so tawi golle ne wadete no te rewbe Senegal mbaddake hen a partir d'aujourd'hui nyalawma hande o hay dara wadetake te rewbe rendinaka hen wa donc mada salmino onon fof vive les femmes de l'arrondissement de Saldé popé koyemon on jambaré vive les